Nous allons aujourd'hui voir comment fonctionnent les post-process dans Unreal. Donc l'idée de base d'un post-process, c'est de modifier l'image après que le rendu ait été fait. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Ça s'est déclenché grâce à un post-process volume. Donc si vous allez dans vos classes de base ici et que vous allez dans volume, vous voyez qu'il y a un post-process volume qu'on peut placer où on veut. Et une fois qu'on est à l'intérieur de ce volume, on active un post-process spécifique. Donc ici je le place pour être facilement accessible. Et on a toute une série de paramètres, entre autres la taille de la box, donc qui va permettre de définir la zone qui va déclencher cet effet, ce post-process. Après ça, vous avez tous les settings en fait du post-process lui-même. Alors, je peux agrandir pour mieux voir. Donc, on a tous les post-process settings au-dessus. On va y revenir. On a les priorités. Donc, ça, c'est quand on a plusieurs post-process qui s'overlappent. C'est pour choisir celui qui a priorité sur les autres. Donc, les nombres ici permettent de définir l'ordre des priorités. Et il y a le blend radius, blend weight, qui en fait permettent de définir une zone de transition pour que l'effet ne soit pas de 0 à 100% dès qu'on rentre dans la box. Donc le blend radius, ça va être la zone autour de la box qui va permettre de définir cette zone de transition. Pour certains effets, c'est pas nécessaire de faire une zone de transition, par exemple. On va faire un effet qui est sous l'eau. Bah, généralement, soit on est sous l'eau, soit on est hors de l'eau, mais il n'y a pas vraiment de zone intermédiaire. On va déjà commencer par un effet simple, enfin déjà voir ce qui est disponible sans faire de matériel. Donc ici, pour le moment, il ne se passe rien parce que le post-process ne redéfinit rien. Mais si on va dans Post-Process Settings, ici, on voit toute une série de choses auxquelles on a accès qui vont permettre de modifier en fait le comportement du post-process. Donc par exemple, si je veux changer les couleurs de l'image, je peux aller dans Tint, ici, qui se situe dans l'onglet Film. Et donc si je le coche, et bien en fait le post-process va modifier la teinte de l'image. Et donc par exemple, si je mets l'image en rouge, ben en fait maintenant, voilà, quand j'arrive dans la zone, on voit qu'il y a une transition pour arriver jusqu'à une teinte qui est à 100% rouge. Donc ici, je peux régler tranquillement mon post-process et ça me donne directement un feedback sur les résultats finaux. Voilà, et donc on peut combiner plein de choses comme ça. On peut modifier la balance des blancs avec la température des couleurs, faire du color grading, donc modifier les différentes ambiances sur le rouge, le vert, le bleu, etc. Enfin, je vous invite vraiment à regarder en détail tous les paramètres. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer, sur l'importance des lens flares, l'ambient occlusion, les effets de profondeur de champ, etc. Et un truc qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un onglet MISC qui a lui-même une liste en fait de matériaux qui sont des blendables. Donc ça, ce sont les matériaux qui vont permettre de traiter l'image, de modifier l'image pour en faire un effet intéressant. Donc ici, on a un effet tout simple qui ne fait que traiter l'image. Je vais le retirer pour le moment. Donc, je retire le tint ici. Et je vais définir un matériel que je vais appliquer ici dans Blendable. Donc, je me suis fait un petit répertoire de tests. Donc, je vais créer un simple matériel que je vais appeler post-effect-test. Donc, celui-ci va être vraiment simple. On va, par exemple, juste modifier les couleurs. Donc, j'ouvre l'éditeur et je vais le docker ici, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais déjà modifier en fait le type
de matériel dans matériel domaine ici pour le passer en post-process. Donc là, ça change pas mal puisqu'il ne reste plus que émissif color. Donc l'idée du post-process, comme je le disais tantôt, c'est que c'est fait après tout le rendu. Et donc on va récupérer ce qu'il y a dans le frame buffer, donc ce qu'il y a dans le rendu de l'image, et on va pouvoir accéder à cette image et la modifier, et surtout ben, pouvoir faire des distorsions, des choses comme ça, qui ne sont possibles facilement que en post-process. L'avantage de travailler sur Unreal, c'est qu'on a accès à beaucoup plus que simplement le frame buffer, puisque Unreal fonctionne en deferred shading, et donc on va avoir accès au normal, à la profondeur, enfin au Z-buffer, à plein d'autres choses qu'on va voir ici dans les paramètres accessibles. Donc, pour accéder à un élément, à une texture, eh bien en fait, on accède à ça grâce au node Scene Texture. Voilà. Et Scene Texture permet de choisir parmi toute une liste ici. Donc on a, comme je vous disais, hein, la normale. On retrouve aussi bah, plein de choses en fait. La couleur diffuse, la couleur spéculaire, etc. En fait, ça c'est grâce au Deferred Shading d'Unreal. La texture de base, donc qu'on va utiliser le plus, qui est le frame buffer. Il porte un nom absolument immonde, mais bon, c'est post-process input 0. Voilà, c'est pas le truc le plus intuitif, mais c'est bien ça qu'on doit utiliser. Et ça, le post-process input 0, c'est l'image juste avant qu'on applique le post-process. Donc, on peut récupérer bah, la couleur en RGB. La taille de cette texture qui va correspondre à la taille de l'écran et inverse size, donc c'est 1 sur la taille de l'écran. Donc en gros, ça nous permet d'avoir la taille d'un pixel en coordonnées UV, quoi. Donc si on doit, à partir de cette texture, accéder au pixel voisin, bah, invert size, ça nous permettra d'avoir le step à utiliser pour aller lire les pixels voisins. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être simplement un traitement pour passer ça en noir et blanc. Et donc, pour ça, je vais utiliser Split Component qui permet, à partir d'une couleur, de récupérer le rouge, vert, bleu. On peut faire ça aussi avec deux Component Masks, mais bon, trois Component Masks, pardon. Ici, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement bah, additionner les trois composantes rouge, vert et bleu et rediviser par 3. Donc, je fais un add, donc du rouge et du vert, et je duplique pour faire à nouveau un add avec le bleu. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un divide par 3. Et donc, je modifie ici le deuxième paramètre et j'envoie le résultat final dans Emissive Color. Apply. Donc, ici, en fait, c'est un matériel qui va se compiler très vite parce qu'il n'y a pas d'éclairage dessus. C'est ça qui prend du temps en fait sur les matériaux de base et qui calcule toutes les combinaisons d'éclairage possibles. Et donc, ici, je vais pouvoir rajouter ce matériel dans les Blendable. Donc, je rajoute un élément ici et mon matériel ici, je peux le drag-dropper. Voilà. Et donc, maintenant, quand je vais rentrer dans ma zone ici, on voit, je passe en noir et blanc. Donc, il exécute bien mon matériel que je viens de faire ici. Alors, on voit que je n'ai pas de zone de transition. En fait, c'est du tout rien, malgré que sur les paramètres que j'avais précédemment, il y avait bien une transition. C'est simplement la façon dont fonctionne le système de post-effect, de matériaux de post-effect. C'est que si vous voulez faire une zone de transition, eh bien, il va falloir vous-même gérer ça grâce à un paramètre et surtout grâce à une instance du matériel que vous allez faire ici. Donc, l'idée, c'est que il faut un paramètre qui va permettre de
modifier l'intensité de l'effet, donc de pouvoir blender entre le mode normal et le mode modifié, on va dire, de l'image. Donc par exemple ici, donc j'ai cette partie-là qui fait la modification. Je vais utiliser un linear interpolate pour blender entre cet effet modifié et l'effet de base. Donc, je vais plutôt faire dans l'autre sens, c'est plus logique. Voilà. Donc j'ai ma couleur non modifiée ici, qui sera quand on aura une intensité de 0. Le matériel, enfin la couleur modifiée quand on aura une intensité à 1, et le résultat final, je l'envoie dans Emissive Color. Et dans l'alpha, je vais mettre un paramètre. Ouais, hop, je vais convertir tout paramètre. Voilà. Je vais envoyer ici. Donc quand mon paramètre vaudra 0, je vais envoyer la couleur de base. Quand le paramètre vaudra 1, je vais envoyer la couleur modifiée, donc en niveau de gris. Donc mon paramètre, je vais le renommer en intensity. Et c'est ça qui est important, la valeur par défaut, ça doit être l'effet qui tourne à vide, quoi, donc qui n'a pas de, qui ne modifie pas les couleurs. Donc là, la valeur par défaut, 0, fonctionne très bien. Donc je fais un apply. Et une fois que j'ai mon matériel ici, je clique dessus pour faire une instance du matériel. Donc, je vais lui donner, laisser le nom par défaut. Et mon instance, je vais simplement modifier l'intensité et mettre l'intensité à 1. Je sauve, je reviens ici dans mon matériel, dans ma scène, pardon, pour modifier mon matériel. Et donc, je vais modifier dans le Blendable, je ne vais plus utiliser le matériel de base, je vais utiliser l'instance du matériel. Hop. Et donc maintenant, on voit que j'ai bien une transition entre l'effet inactif et l'effet actif. Et ça, c'est grâce à l'instance et c'est grâce aux paramètres que j'ai rajoutés dans mon matériel. Voilà. Donc c'est le principe de base ici du pardon, des post-process. Et donc on va faire un deuxième post-process un peu plus complexe. Donc pour prolonger ce qu'on a vu sur la chute d'eau, je vais faire un post-process qui va simuler le fait d'être sous l'eau. Donc on va rajouter de la distorsion, on va modifier aussi la couleur, donc en rajoutant un fog. Donc je vais créer un nouveau post-process volume. Je vais mettre ici. Et je vais créer un nouveau matériel. Submarine. Voilà. Et donc mon nouveau matériel, je vais faire la même chose que la dernière fois, changer le matériel domaine pour passer en post-process. Et donc je vais à nouveau accéder au frame buffer. Alors ici, il va y avoir une petite subtilité, c'est que je ne vais pas accéder au frame buffer directement, je vais modifier les UV que j'utilise pour accéder au frame buffer. Donc, j'utilise toujours mon scene texture, je vais toujours accéder à mon post-process input 0. Et je vais déjà commencer par donc la distorsion. Donc, pour l'instant, je vais envoyer ça directement, mais je vais modifier les UV ici. Alors les UV ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le screen position qui va me permettre de savoir en fait quels sont les UV à un endroit donné sur mon écran. Et le screen position, si je l'utilise, si je le branche directement dans UV, ça ne va rien changer en fait. Donc je vais utiliser simplement les coordonnées écran de 0 à 1 horizontalement et verticalement. Donc pour introduire une distorsion, je vais modifier ce screen position en additionnant un offset. Donc je fais un add. Hop. Et donc ici, l'offset que je vais rajouter, ça va être un offset horizontal et vertical. Alors je vais prendre pour ça une texture de type normal. Donc ici, j'ai récupéré ma normale normal map.
En fait, c'est le même genre de normal que j'ai utilisé pour faire la surface de l'eau dans l'exemple de la chute d'eau. Et donc, cette normale, mais en fait, les valeurs qui sortent du rouge, vert et bleu sont des vecteurs, donc ce sont des valeurs qui varient entre moins 1 et 1. Je ne peux pas directement les additionner ici, parce que ça serait un offset bien trop grand, puisque les UV varient entre 0 et 1, et là je rajoute quelque chose qui varie entre moins 1 et 1. Donc ça ferait une distorsion beaucoup trop importante. Donc pour ça, je vais multiplier le résultat ici par une valeur, quoi. Ce que je vais faire aussi, c'est isoler simplement le X et le Y. Il n'y a que ça qui m'intéresse, donc enfin le rouge et le vert. Il n'y a que ça qui m'intéresse dans les couleurs ici. Donc je vais prendre un component mask. Et le component mask, je vais garder juste le rouge et le vert. Hop, je multiplie. Et je vais multiplier par une constante. Enfin, je vais mettre un paramètre carrément, qui va être l'intensité de la distorsion. Donc, pour le moment, je vais essayer avec une distorsion de 0,1. On va voir ce que ça donne. Et je vais appeler ça distortion. Donc, je branche ça ici et le résultat, je l'envoie sur le add. Donc, on peut déjà tester ceci. Je l'envoie ici et dans mon post-process volume, je vais rajouter donc un blendable. Pour l'instant, je vais utiliser le matériel de base. Hop, voilà. Et donc, quand je rentre dedans, pouc, voilà, j'ai un effet de verre martelé comme ça. Donc, c'est la distorsion que j'ai rajoutée. Bon, évidemment, ça fait pas encore vraiment effet sous l'eau pour le moment parce que, premièrement, c'est pas animé et deuxièmement, il y a. Comment la distorsion est trop fine, donc il va falloir changer un peu les UV qu'on utilise pour accéder à la texture. Donc on va changer les UV qui sont ici et on va les changer avec un texte coordinate, texture coordinate. Texture coordinate que je vais mettre à une valeur relativement faible. Donc je vais mettre un 0,05 par exemple pour le tiling. Donc, je vais déjà voir ce que ça change. Voilà. C'est déjà un peu plus sympa, ça ressemble déjà plus à une distorsion sous l'eau. Bon, le problème c'est que ça ne bouge pas encore. Quand j'arrête de bouger, ça ne bouge pas. Donc ça, on va faire en fait le même principe. On va utiliser le même principe que ce qu'on a fait pour la surface de l'eau. Bah, à savoir utiliser deux textures sample en utilisant aussi un panneur. Donc on prend les coordonnées de mapping, on les fait panner et on les renvoie dans le texture sample. Donc ici, je vais faire des déplacements très lents puisque en fait j'ai changé le texture coordinate pour avoir une valeur très faible ici. Donc d'office, le panneur doit être lui aussi très faible. Donc je vais utiliser 0,05. Donc là, c'est encore plus petit. Je vais toujours essayer ça comme valeur. Donc là, je vais scroller, on va dire, dans une diagonale comme ça. Déjà voir ce que ça donne. Voilà. Mais si on est un peu attentif, on se rend compte que effectivement c'est bien toute la texture qui scrolle. Et donc pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau effet, on va dupliquer tout ça. Donc je sélectionne CTRL W pour dupliquer. Alors je peux changer légèrement les coordonnées de mapping. À la limite, ce que je peux faire aussi, c'est tenir compte du fait qu'il y a de grandes chances qu'on affiche ça avec un ratio de 16 neuvièmes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un peu éviter d'étirer trop la texture horizontalement. Donc, je vais mettre une valeur, que je ne dise pas de bêtises, une valeur plus faible sur le Y, enfin sur le V.
ici, je vais mettre 0,06. Bon, en fait, 16 neuvième, c'est quasi un ratio de 2 pour 1. Enfin bon, vraiment la grosse louche, quoi. Donc ici, je vais un peu modifier ça aussi. Et je vais mettre 0,25. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Ça casse un peu la probabilité de voir un cycle apparaître. Et donc ici, j'avais mis comme valeur 0,05. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais scroller dans la direction opposée. Donc je vais mettre moins 0,05. Donc en fait, je vais dans l'autre diagonale. Et donc, mes deux normales, ici, je ne les considère pas comme des normales. Donc il n'y a pas à faire les trucs compliqués qu'on avait fait pour la chute d'eau, pour combiner correctement les normales. Ici, j'utilise ça simplement comme un offset. Donc je peux simplement additionner les deux décalages. Et le résultat final, je l'envoie dans le component mask. Voilà. Donc ici, on devrait déjà avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc ici, on a moins l'impression que ça scrolle dans une direction, puisque effectivement, on a bien deux textures qui se croisent. Alors si on trouve que la distorsion est trop forte, on peut toujours modifier ici, dans distorsion, mettre une valeur un peu plus faible. Donc à la place de 0,1, je peux mettre 0,05 par exemple, donc deux fois moins fort. Voilà, c'est déjà un peu plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va encore modifier? On peut modifier la teinte. Donc ça, on peut le faire soit dans le matériel, soit utiliser les possibilités qu'on a ici. Donc tantôt, j'ai utilisé le film tint. Donc je vais utiliser ça et passer des couleurs plus bleutées, comme ça. Donc là, je peux peut-être forcer vraiment le bleu avec des valeurs qui dépassent ici pour vraiment avoir une idée en fait d'être sous l'eau comme ça. Donc c'est à vous à voir un peu ce que vous voulez faire, ce que vous voulez rendre comme couleur. Mais voilà, ça donne déjà des trucs assez intéressants. Et le deuxième effet qu'on pourrait introduire aussi dans notre matériel, c'est un effet de fog, donc qui dépendrait de la distance de chacun des pixels. Donc plus on va avoir un pixel lointain, plus il va être sombre. Donc pour ça, on va accéder à autre chose ici que le scene texture, enfin que le scene texture post-process input 0. On va accéder à nouveau à un scene texture, mais cette fois, on va aller chercher le scene def, qui est le deuxième ici. Et on va évidemment utiliser les mêmes coordonnées de mapping. Donc on récupère ce qui sort du add ici. Donc le scene def, c'est le z-buffer en fait, hein, pour simplifier. C'est le z-buffer avec des valeurs normalisées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est récupérer uniquement une valeur. Donc je suis obligé de mettre un component mask pour récupérer juste un flottant. Et je vais masquer tout sauf le rouge. Bon, je ne vais garder que le rouge en fait. Voilà. Donc les valeurs que j'ai ici ne vont pas correspondre au range qui m'intéresse. Donc pour retomber sur un bon range, je vais multiplier cette distance par une valeur ici qui est 0,001. Ouais. Donc deux fois deux zéros après la virgule, puis un 1. Donc cette valeur-là, en multipliant par cette valeur-là, je vais avoir dans mon range 0,1 quelque chose de relativement proche. Parce que j'ai pas envie d'avoir un fog qui s'étale sur des kilomètres. Ici, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus oppressant et de plus localisé, quoi. Donc, avoir l'impression que la lumière est vraiment arrêtée par l'eau. Donc, tout dépend aussi du type d'eau que vous voulez faire, hein. Si vous voulez faire de l'eau très très claire, vous allez évidemment avoir une valeur ici qui sera vraiment différente de ça aussi, quoi. Donc, le résultat ici, je vais le clamper pour limiter le range en fait à une valeur entre 0 et 1.
Et donc, cette valeur, je vais faire un lerp, enfin, je vais utiliser cette valeur pour faire un lerp entre la couleur normale, donc qui est ma couleur qui vient de mon post-process input, et ma couleur foncée, en fait, donc du noir principalement, quoi. Enfin, noir ou enfin, ce que vous voulez comme couleur, ça peut être un gris foncé ou la couleur de votre fog en fait sous-marin. Puis j'envoie ça dans l'alpha et le résultat final, j'envoie dans émissive. Il râle parce que l'accès ici il renvoie un RGBA, donc j'ai deux options, soit je mets une couleur qui est un vecteur, enfin une constante 4, ou alors ce que je peux faire aussi, c'est mettre un component mask RGB ici. Qui va récupérer que le rouge, vert et le bleu. Donc comme ça, je blende entre une couleur RGB et une autre couleur RGB. Voilà. Donc je fais un apply. Et donc maintenant, on voit qu'on a du fog. Donc tout ce qui est beaucoup plus lointain est devenu plus foncé. Et ce qui est plus près est plus dans les couleurs d'origine. Enfin, y compris la teinte qu'on a rajoutée, quoi. Alors ce qu'on peut faire, c'est modifier un peu la rampe, donc la répartition du fog. Donc pour ça, on peut utiliser un power. Donc le power va permettre de changer en fait la répartition du dégradé, on va dire, entre l'endroit où il y a le plus de fog, où il y a le moins de fog. Et donc je vais essayer avec un power 0.2 par exemple. Donc, il va changer pas mal les choses. Hop. Donc voilà, donc maintenant j'ai un fog qui va toujours jusqu'à la même distance, si ce n'est qu'il est plus sombre beaucoup plus vite. Donc ça c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire comme effet. Donc si j'ai envie d'avoir une valeur plus intermédiaire, je peux mettre 0, 0.5 par exemple. Voilà. Ou là, ça s'assombrit, mais moins vite quand même. Alors le petit problème qu'on peut avoir avec la distorsion ici, c'est sur les bords de l'écran. Donc c'est visible par moment ici en dessous, on voit que la texture se stretch. C'est normal puisque je fais une distorsion ici qui va enfin, aussi bien à droite qu'à gauche, qu'en haut et qu'en bas. Donc du coup je peux aller récupérer des pixels qui soient hors du frame buffer. Et donc comme par défaut ces textures-là sont en mode clamp, et bien en fait dès qu'on dépasse le range 0,1, on a la première colonne, la dernière colonne, la première ligne, la dernière ligne. Donc souvenez-vous, on avait vu ça au cours de compression numérique. Donc pour ça, il y a plusieurs options possibles. On peut éviter d'avoir une distorsion sur le bord en créant un masque. Enfin, ou d'autres choses en fait. Vous pouvez avoir un masque que vous créez à la main, ou vous pouvez faire un masque que vous calculez à partir des UV et ce genre de choses. Mais généralement, l'idée pour éviter d'avoir une distorsion trop forte, c'est d'éviter, une fois qu'on est ici par exemple, d'aller plus bas, quand on est en haut, d'aller trop haut, à gauche, trop à gauche, à droite, trop à droite. Alors ici, pour éviter d'avoir le changement de couleur qui soit progressif, puisque je veux vraiment définir une zone tout ou rien, bien ce que je vais faire, c'est je vais mettre un blend radius à 0. Donc du coup, j'aurai pas de changement de couleur qui se passera progressivement. Ça va être POC, je suis dans l'eau ou je suis hors de l'eau. C'est généralement ce qui marche le mieux pour ce genre d'effet. Maintenant, si on veut faire une zone de transition sur l'effet, en fait c'est pas bien compliqué. Donc on a d'un côté la distorsion et de l'autre on a le fog. Donc le fog qu'il faut éviter d'appliquer en fait dans ce cas-là, quoi. Donc
ce que je peux faire, c'est modifier ici ma valeur, donc ce que je calcule ici à partir de la profondeur. Donc ici, j'ai une valeur qui varie entre 0 et 1. Donc quand c'est 0, j'ai pas de fog. Quand c'est 1, je vais avoir cet effet de fog qui va apparaître. Donc je vais créer à nouveau un paramètre. Enfin, oui. Paramètre. Bon, je n'ai pas fait le. Voilà, paramètre. Et là, ça va être Fog Intensity. Alors, ici, je pourrais fonctionner avec un LERP, mais le plus simple, enfin, si mon Fog Intensity varie bien entre 0 et 1, c'est d'utiliser un multiply. Donc, si j'utilise un multiply, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si j'ai un Fog Intensity qui est à 0, bah, ça va me renvoyer tout le temps 0, donc j'aurai tout le temps la couleur de base. Si j'ai un Fog Intensity qui est à 1, bah, je vais avoir cette mécanique ici qui va fonctionner et ça va passer à travers en étant multiplié par 1, ce qui ne changera rien. Voilà, donc j'ai Fog Intensity. Donc je vais faire une instance du matériel maintenant. Alors il faut que je sois attentif parce que les paramètres par défaut ne modifient pas l'image. Donc il faut que Fog Intensity soit à 0 par défaut et il faut que je modifie ma distorsion ici pour qu'elle soit à 0 par défaut aussi. Je fais un apply. Et donc normalement, maintenant, quand je rentre, oui, je n'ai plus que la modification de la teinte ici. Ce qui est normal. Donc je vais créer une instance de mon submarine matériel et je vais modifier ma distorsion et fog intensity. Je vais mettre fog intensity à 1 et distorsion, je l'ai mis 0,05 si je me rappelle. Voilà, je sauve, je reviens ici et mon matériel ici, submarine, je vais utiliser submarine instance. Hop. Donc maintenant, voilà, donc j'ai toujours la même chose qu'avant, si ce n'est que si je définis maintenant un blend radius, donc si je remets un blend radius de 100, je devrais avoir un effet qui est progressif. Donc on voit ici, la distorsion est progressive, ainsi que le fog. Donc ça va vous permettre de modifier, par exemple, vous pouvez changer l'ambiance qu'il y a dans une pièce. Si vous avez une pièce enfumée et vous voulez qu'il y ait du fog ou qu'il y ait des distorsions pour donner l'impression qu'on est sous l'effet de drogue, etc. Ben voilà, on peut faire des choses comme ça, des transitions très soft entre des zones. C'est assez simple à mettre en œuvre, quoi. Alors les post-effects, bon, on peut faire vraiment plein de choses. Donc il y a déjà pas mal de choses de disponibles ici. On a vu donc enfin, la balance de couleurs, enfin, tout ce qui est traitement de couleurs en fait, modification du bloom, de profondeur de champ, etc. Et vous pouvez faire d'autres effets. Donc par exemple ici j'ai quelques post-effects que j'avais fait l'année dernière. Donc on peut avoir par exemple un effet un peu imprimé comme ça, qui va pixeliser et rendre l'image avec des petits points. On a un effet vraiment en pixelisation. Donc cet effet-là, ça correspond vraiment à la même démarche qu'on avait fait dans Substance Designer pour calculer la suite de dégradés, si vous vous rappelez, donc qu'on avait utilisé pour faire les sprites, les sprite sheets. Alors, j'ai un effet ici pour une espèce de rendu toon en fait avec le contour ici autour des objets, un espèce de papier en fait, une texture de papier et une réduction du nombre de couleurs avec des gros aplats de couleurs. Donc la détection de contour, c'est ça qui est le plus compliqué ici. Donc pour faire cette détection, j'ai utilisé en fait plusieurs accès au SinDef, donc à la profondeur de l'image. Et si je voyais qu'il y avait des différences importantes
entre un pixel et ses voisins, bah, je considère en fait que je suis sur le bord d'un objet et donc je vais colorer en fait ce pixel différemment, quoi. En fait, c'est pas SyncDef que j'ai utilisé, c'est Custom SyncDef. Donc en fait, c'est un Z-buffer dans lequel on peut choisir quels sont les objets qui vont s'y mettre. Donc ici, j'ai certains objets qui ont comment ce contour de marqué. Eh bien, en fait, c'est ceux qui sont ici tagués avec le render pardon, custom def qui est coché ici. Donc, si je le décoche, ben, en fait, je n'ai plus le bord sur l'objet. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben simplement parce que si j'utilise le SyncDef, le problème qu'il va y avoir, c'est que par exemple le sol, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à lighter correctement avec un toon shading, parce que je vais avoir, quand j'ai une caméra rasante sur le sol, je vais avoir des différences assez importantes entre les pixels voisins, sans que ce soit pour autant un bord, puisque mon aplat en fait, ma texture, ma géométrie pardon, va s'étirer très fort, et donc du coup ça va considérer que j'ai des bords partout et je risque d'avoir le sol qui devient bah, ici tout en noir, donc tout tagué de la couleur du bord, quoi. Voilà. Donc ça c'est un petit truc assez intéressant, le SyncDef. Ça permet aussi par exemple de faire apparaître un perso qu'on suivrait par exemple, donc même à travers les murs on peut le taguer, on peut avoir sa silhouette qui apparaît, ce genre de choses, quoi. Et le dernier, ben, c'est ce qu'on avait vu ici avec la distorsion et le fog. Évidemment, comme je suis beaucoup plus loin, ben, le fog était beaucoup plus important. Ben, donc ici, oui, on a vu quelques instants le bord de la texture qui était vraiment très visible. Faut se méfier aussi que certains effets sont différents quand on est en mode éditeur que quand on a fait son build. Donc méfiez-vous. Voilà, donc voilà qui clôture le post-process. Donc il y a moyen de faire énormément de choses en post-process. Il y a vraiment moyen d'expérimenter avec ça. Le principe de fonctionnement est assez simple, c'est assez puissant de pouvoir les placer où on veut comme ça, et ça permet vraiment de donner des ambiances intéressantes au jeu, quoi.